Et yo tout le monde, c'est Darko, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous pour un nouvel épisode sur Parking Simulator. Et c'est le cinquième épisode de la série. Lors du dernier épisode, on avait avancé, j'ai joué à neuf, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément d'argent. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en neuf. Et je suis à fond en réputation. Alors, dans un premier temps, on a amélioré la cabane. On l'a passé niveau 3. On a une magnifique chambre. Les caméras qui sont là. Tout un mur en briques intérieur extérieur. On a changé le sol en briques également. La petite maison. Là, je sais plus si vous l'avez vu, mais ça je crois que si. On l'a pas fini, hein. On monte plus en réputation, donc ça ne sert plus à grand chose. Tout le contour du parking est avec les murs de niveau 3. J'ai fait tout le tour du parking. Les 4 parkings sont en rough niveau 3 et à fond avec les parcs limiteurs derrière. Tous les lampadaires sont mis, etc. Et je suis, comme je l'ai dit, à fond en réputation, mais pas besoin de faire plus de déco. On a énormément d'argent. Et aujourd'hui, au niveau 7, on va voir ce qu'on peut faire. On va pouvoir normalement faire le deuxième étage, on va voir. On va voir ce que ça donne. Il ne manquait pas grand-chose du niveau 5 au 6. Alors, parking area, tac, tac, tac. Tout est fait ici. Deuxième étage, 30 000, qu'on va acheter. Boutique roof 3, security. Les murs 3, ça on avait mis. Les lumières, il n'y avait rien de plus. Et food drink, on avait tout passé. Donc là, on vient d'acheter vraiment l'extension. Ah oui. Putain, oui, c'est joli. Ah oui, c'est propre. D'accord. On a acheté. Parking là, avec des places là, des places là. Ils montent par où les bagnoles? Derrière? Ah oui, ici. C'est plutôt stylé. Ok. On va rajouter le mur. Et peut-être qu'ici il y aura le souterrain par la suite, on ne sait pas. Ah si, regardez, on le voit. Il y aura le. J'ai l'impression qu'on peut pas le débloquer. C'est chouette en tout cas. Beau petit parking. Bien évidemment, j'ai enlevé les travailleurs, enfin les gars à la barrière là. Et du coup, pourquoi je peux pas? Passement, c'est verrouillé. Est-ce que c'est dans un DLC? Est-ce que c'est. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Bah écoutez, on va acheter un peu de pots de peinture. Le max qu'on peut, 40, ce sera déjà bien. On commande. On ouvre ça. Tac. Ça doit avoir ma chambre. On va faire les places de parking au-dessus. Hey, get the hell out of here! Le mec, il s'est tapé, mais. Je vais essayer, hein. Ça klaxonne. Ok. On va voir, mais je prends pas qu'on monte en réputation. Et la livraison arrive.
Charge-moi tout ça, mon petit. On prend tout ça. Faut que je me remette sur les touches. Inventaire. Tac. Équipé. Allez, let's go à l'étage. Pardon, 8, 9, ok. Pas l'enlever ça. On va reprendre notre voiture. Hop. On va commander. D'ailleurs. En 24. On prend la peinture, équipée. Il y a des mecs qui arrivent au-dessus. Ok, ça roule bien. Peut-être plus 74, j'ai pas fait gaffe sur la route. Un peu de peinture. Donc j'en manquerai 8, mais c'est sûr. Hop. Ouais, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre la lumière au-dessus? Je l'aime pas, ouais. Non, on aura plus de poils à faire. Ouais, ok, c'est pareil qu'en bas, quoi. Ah, si, 5 000, ouais, si, ouais, mais on augmente la réputation. Mais on n'augmente pas de niveau, ok. Ok, ok, c'est bon à savoir. Tac. Il leur faudra... ça. Tac, tac. Le problème dans le jeu, c'est que c'est du coup hyper répétitif. Surtout quand on gère pas l'entrée, maintenant qu'il y a tout, c'est des allers-retours comme tout à l'heure.
Putain, comment ça sent plus bien. On est good. On a pris des trucs, c'est normal. Orange. 25 places au-dessus quand même. 4 places. Oh, t'as de tout casser toi? I've got to keep an eye on business. On finit. Il n'a pas fini le garçon. Ok, on peut prendre un peu plus sur soi. Ben, pas ouf. Pour toi, on commandera des lampadaires pour voir si on peut en mettre au-dessus. Que les roues sont tombées. Pas calculé combien je l'avais pris. On va voir si on peut en mettre à l'étage. Ou je ne sais pas. Là, on va, je sais pas. On va voir. Il en manque 24. 1002, c'est 1215. On voit que c'est hyper propre, le gars il arrive à bien gérer. Et ça, il en manquera 8 du coup. On va les prendre, ok. Ouais, voilà, c'est que ça. Franchement, c'est... Bon, du contenu. T'as un peu la panique au début, parce que tu dois tout gérer, on l'a vu, hein, les machins, les gars, mais dès que t'as les employés... Et des allers-retours d'amélioration de parking. Il y avait le compte, il y avait le compte. Il y avait compté deux au fond. C'est quasiment rempli en haut, incroyable. Alors, les roues, normalement, on peut les mettre au-dessus. Il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas les mettre.
va voir. Y a aucune raison qu'on les mette pas, voilà. Des lampadaires. Ah ok, si. Une. Alors, voilà. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ça fait 8 au total, il y a manqué 6 lampadaires. Les roues font pas les mettre. Non, c'est pas les lampadaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les roues 3. Ah, tu te l'actionnes comme des gigos. Un sacré parking quand même. On a commencé avec notre petit tas de terre là. Ouf. Du coup... 36,35 dollars par heure. Dingue. Fait chier, c'est le parking, je vous le dis moi. Hop. Hop. Ouais putain, si je peux les prendre que 4 par 4 hein. Très très long. De ouf, je crois que c'est pareil. Hop. Encore deux ici. Putain, ça peut être stylé aussi. Ta gueule. Pas fini. Ça comme touche pour c'est chiant aussi. Est-ce que c'est beau? Il est beau notre parking, il est beau. Pour lui, il est... On va l'enlever, ça. Bon, ok. Pas que les mecs qui se garent là, peut-être. Probablement même. Tudut. Ouais, 4 par 4 les roues, ça va être très long. Tac, tac.
bizarre pour le souterrain. Smash pour la suite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Envoyez le pognon. Envoyez les thunes. Vérifier quand même. Voilà, tout est validé, mais ok. Oh, il m'a cassé mon mur, l'enfoiré. Il y a un mur de cassé. Ouh, le fumier. Bref, on s'en fout un peu. Je vais pas le finir, honnêtement. Enfin, pas en vidéo, c'est trop répétitif. Écoutez, les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour de jeu. Là, si c'est pour remettre des roues partout, etc. Bon, ça sera bien, ok. On aura deux niveaux finis. On n'a pas le souterrain. J'aurais bien aimé voir le souterrain, quelle gueule il avait. Mais bon, pas pour maintenant, apparemment. La réputation monte, mais pas le niveau. On a tout débloqué, c'est assez. Franchement, c'est répétitif. Une fois que c'est bien qu'on a passé les niveaux, etc. On améliore, etc. J'aime bien le concept. Après, ça reste un petit jeu de. Station de parking et en soi rien bien ouf. Dès qu'on a débloqué les ouvriers, déjà ça débloque pas mal le jeu. Et après on passe plus en mode construction simulateur malheureusement. En tout cas c'était sympathique. Il y a des autres mages, etc. pour la suite, des autres mises à jour, des trucs assez sympathiques. On continuera le let's play. Là honnêtement, j'ai pas quoi vous montrer de plus. Peut-être qu'en œuvre, quand l'envie me prendra, je finirai la déco, etc. Mais juste pour monter la réputation, ça vaut pas le coup. On aurait des trucs à débloquer avec les niveaux, on aurait continué. Mais là, là comme ça, on voit pas l'intérêt. Là aussi, on aurait pu finir, dans le même pattern que là. C'est un petit espace, continuer derrière, mettre une petite déco, mais... La flemme. Bah écoutez... Merci à tous d'avoir regardé ce let's play. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Le jeu, si vous l'avez testé, si vous avez eu la patience d'aller jusqu'au bout, si vous avez fini votre étage ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre aussi également Discord. On est pas mal sur les jeux. Les streams en ce moment, c'est du Albion Online et probablement d'autres jeux qui vont arriver par la suite. La série en cours sur Transport Fever. Et voilà. Transport Fever 2. D'ailleurs. Et puis bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Bisous à tous et à la prochaine. C'était Narco. Tchou tchou.